Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo chien. J'ai mes petits assistants présentement derrière cet écran, comme ça. J'ai commandé quelques articles pour eux. Je vous les montrer tout de suite, comme ça après ils vont pouvoir aller jouer, organiser ce qu'ils ont à faire avec ces articles dans leur chambre et on va pouvoir continuer la vidéo, tu vois, un peu moins observée. J'ai deux enfants, un de 10 ans, une de 4 ans. Qu'est-ce qui est la mode en ce moment chez les enfants? J'ai donc pris, non pas un, non pas deux, mais un sac entier de Pop-Its. Un bracelet en Pop-Its. Voilà, tu vois les Pop-Its, si tu sais pas ce que c'est des petites boules. Voilà. C'est un peu comme nous à notre époque, le papier bulle, tu vois. Ici, pour les salles d'attente, tu vois, petit format, très bien. Il y a le Head Spinner Pop-It. Non mais ils ont tout combiné, hein, tu vois. Voilà. Si avec ça je suis pas tranquille de la journée, les gars, je ne sais pas. Mini sac Pop-It. Sac de Wings. C'est le sac de Wings. Le petit porte-monnaie sac en Pop-It. Attends, je vais enlever ça parce que ça, c'est dangereux. C'est méga dangereux. Nous avons... C'est moi, c'est pour moi. Non, ça c'est pour moi. Non, pour moi. Je te donne le bon. Ça. Voilà. En octopus, tu vois. Qui change de visage. De différents visages. Toujours en Pop-It. Voilà. Ça c'est en donuts. Voilà. La licorne basique, couleur jaune pastel. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, mon petit assistant qui est le geek de la maison a voulu un clavier Pop-It. Là, comme ça, il pourra faire genre, il tape à la machine, tu vois. Mais ça, j'ai trouvé que c'était pas con parce que c'est ludique, tu vois. Il peut apprendre à taper sur les claviers grâce à cet écran Pop-It. C'était pas cher du tout et bon bah avec ça, il s'amuse un petit moment quand même. Il y a hein, un dernier article avant qu'on aille dans notre chambre. Avant qu'il nous quitte, oui tout à fait. Mon petit assistant qui adore aussi la papeterie et tout, s'est pris une super jolie trousse. 40 000 compartiments. Voilà. Il y a des trousses, des petits machins, des petits... Voilà, même ça... Voilà, tu vois, t'as plein de compartiments. Voilà. Ça, c'était pour les enfants. Maintenant, nous allons passer à la partie adulte. J'ai des pépites à te montrer. Je me suis pris pour l'école parce que tu sais que moi, quand je pars à l'école, je lis tout le temps. Donc, j'ai toujours des bouquins et tout. Et en ce moment, j'ai ce gros sac, mais il m'a saoulé. En ce moment, je lis ça comme livre. Il est génial. J'en suis au début, mais il est vraiment déjà super accrocheur. Je te conseille. Trousse, tout mon petit barza. Je me suis pris des tote bags et aussi quand je vais en brocante. Un grand tote bag rose. Parce que le rose, c'est la vida. J'ai bien aimé sa contenance. Super grand. J'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà, un tote bag rose. Est-ce qu'on a la matière, si tu veux la matière, mais c'est quelque chose d'assez toilant, tu vois. Coton polyester, je dirais. J'aime bien aussi, mais moi, je suis pas trop truc en paille comme ça. Les paniers, les machins, c'est pas trop mon délire. Donc là, simili-cuir, transparent, noir et paille. Mitigeance. Non, mais moi j'aime bien les couleurs vives, tu vois. Donc là, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. En fait, j'avais tellement craqué sur le violet que là, je suis un peu tristoune, mais bon. Il a une grande capacité, c'est un cabas, hein, tu vois, pour aller faire tes courses et tout. Pour mes petits assistants et pour moi aussi, comme tu peux le remarquer, j'adore les bracelets. On n'en a jamais assez. Et là, il y en avait 50 pour 3 euros, je crois. 2 ou 3 euros. Je ne sais pas si pour mon poignet, ils vont être trop petits. C'est des élastiques, en fait. Hein. C'est présenté comme élastique. Pour moi, ils vont être trop petits. Peut-être pour Maria Carré.
Mais ça, c'est les trucs qu'il faut pas trop laisser sur ton poignet parce que ça te coupe le sang. Mais en élastique, c'est Mims aussi. J'ai Mimi aussi en élastique, j'aime bien. Je me suis pris pour l'école une gourdasse parce que j'étais dans le transparent rose, dans le rose et dans le transparent violet, tu vois. Donc j'ai vu ça, j'ai trop craqué. Comment ça s'open ça? Ah, comme ça, voilà. T'as un petit truc de sûreté là. Oh, c'est marqué classique. T'as un petit truc pour la tenir. Ici, t'as les, tu vois, les millilitres et tout. Food use. This bottle is made by PC Unbreakable and perform good and temperature resistance, making it safe for humans. De la marque Smile. Donc, tu peux mettre du chaud et du froid. C'est fait pour, a priori. Bah, moi, c'est juste, tu vois, tu peux mettre du thé. C'est juste pour mettre de la water. Voilà. Parce que moi, mes petites infus, mes tasses de Brookhands, toujours. Mais ça, ce sera pour mon eau. Et alors là, est-ce que t'es prêt? Ma partie favorites. J'ai complètement craqué mon slip sur les boucles d'oreilles. Tu le sais, moi, sur Shein, les boucles d'oreilles, je fais une razzia à chaque commande. Là, j'ai trouvé des modèles vraiment aïe, 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 ouille, ouille, ouille. Est-ce qu'on commence par mes préférées? Ah, oh, elles sont toutes magnifiques de toute façon, mais bon, mes préférées de toutes. Des petits crayons qui sont en plus transparents en résine. Voilà, donc Shein. Je les adore. Je les aime, mais trop. C'est... Oh. Donc, les transparentes comme ça en résine, c'est un truc de fou parce que t'as vraiment l'impression de ne pas avoir de boucles d'oreilles tellement qu'elles sont légères. Donc, les porter toute la journée, no problemo. Et ça, comment te dire, à l'école. Si avec ça, t'es pas raccord, mon coco. Et dans les deux côtés, elles sont belles en plus. Jaune transparent. Et là, in the theme. Franchement, voilà, mes boucles d'oreilles pour lundi, ce sera celle-ci. Deuxième paire, allez, mes deuxièmes favorites. Bon, là, comment te dire que dans la pailletasse... Je sais pas s'ils en font des à clip si t'as pas les oreilles percées. Oh, oh non, mais j'adore. Regarde comme elle brille. Oh là là. Oh non, mais là, c'est bon. Oh, I'm in love. Et tu vois toutes les paillettes. Et c'est vernis, tu vois. C'est pas si tu grattes, ça s'en va pas. Il y a une couche de vernis. Les paillettes sont à l'intérieur, en fait. Une autre paire, toujours dans la transparencia. Celle-ci, je trouve qu'elles font, je sais pas pourquoi, on dirait, ça fait Chanel un peu. Hermès ou Chanel? Trop, oh, j'aime trop. Oh là là, j'aime trop. Regarde de loin, tu vois, même de loin, les reflets. Non, mais stop. J'ai l'impression que quand mon iPad est en charge, il bug moins. L'image bug moins. Là, tu vois, depuis le début de la vidéo, ça me l'a fait que deux fois dans le brouillard. Je l'éteins, je le rallume et il est plus dans le brouillard. Mais bon. Oh, non, franchement, j'adore. Tu vois, donc transparente, super légère. Franchement, je les sens pas. Alors, celle-ci, j'ai pris argent. Alors que, tu vois, moi, je mets toujours or. Mais je les ai trouvées canon. Ça m'a fait penser à des coquilles. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Il faut que je m'y fasse. J'ai un peu l'impression que ça fait vache qui rit, là, tu vois. Que ça fait un grand truc très bas. Peut-être là, ça aurait été mieux. Bah, je sais pas. Elles sont pas trop belles. Regarde. Oh là là, c'est trop mignon. C'est tellement mignon. Prachou. Avec une petite tenue, un petit peu de bleu et tout, tu mets ça, c'est méga chou. Je vais te montrer le style Kawaii que j'ai pris. Et après, je te montrerai les deux pantalons qu'il a. Je l'ai trouvé génial et je l'ai vraiment trouvé digne de Punky Brewster, ce Kawaii. De la capuche. Donc, c'est un Shein X. C'est les collabs, tu sais, je t'ai dit, c'est des artistes qui floquent en fait leur design sur des fringues Shein
Des trucs que tu vois pas sur tout le monde. Des coupes, des formes, des couleurs que tu vois pas partout, quoi. Et là, le kawaii. J'adore. J'adore. Moi qui vais au taf en marchant, tu vois, quand il pleut, et ben là, t'as le loup coco. Avec ça, par exemple, regarde, c'est canon. C'est canon, tous les trucs, 90, un bloc. J'ai regardé ce que ce créateur-là faisait, et je suis tombée sur le pantalon. Comme ça. Le pantalon. Je l'ai pris en L pour que ça soit un peu loose. Et vraiment la qualité, ouais, c'est qualité kawaii. C'est bien, non, c'est bien foutu, tu vois. Et alors, le bénard. Encore une fois, tu vois, moi qui travaille en maternelle, enfin avec les enfants, tout simplement. Je sais forcément que ça leur attirera l'œil et que j'ai tout gagné. Et là, t'as le pantalon. Donc pas de def, un peu en. Tu sais, en. Il s'effiloche en bas. Franchement. Enfin. Mais j'adore. Déjà la coupe, elle est canon. Et le concept en fait. Le concept, tu vois, moi je mets jamais les mêmes chaussettes. Preuve on est ici. Je ne mets jamais les mêmes chaussettes. Il m'arrive parfois de ne pas mettre les mêmes chaussures. Mais pourquoi je mettrais le même, tu vois, le même truc de pantalon? Il n'est pas canon, franchement. En plus, il est hyper confortable. Donc ça, c'est des trucs, voilà, je suis refaite. Et alors, le deuxième. Cet été, j'avais pris une petite chemise blanche caraco avec plein de motifs différents, de petits dessins naïfs. On aurait dit qu'il y avait des enfants qui m'avaient dessiné sur la chemise. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais là, j'ai retrouvé ce créateur. Il est revenu et il a fait une collection automne-hiver. Est-ce que j'ai pu me retenir? Franchement, mais pas du tout. Les tailles hautes, ça m'émerde. J'adore. Ça y est, je suis plus floue. Oh non, mais j'aime trop. Enfin, c'est trop moi. C'est trop moi. Bon alors, Christina dirait que ça épaissit peut-être un peu beaucoup, le fait qu'il y ait beaucoup de forme et tout. Franchement, hein, je dirais, voilà, mes pièces favorites. Ah ouais, avec celle-là, ça irait trop bien. Lundi, je m'habille comme ça. Il y a des pièces pour mon mec. Il s'est pris une doudoune sans manches avec la capuche sweet. Bon, très jolie. Bon, après, franchement, avec une pièce comme ça en dessous, j'ai envie de te dire, ça ne peut que faire de l'ombre à la doudoune. Mais ouais, très jolie, beige, noir, gris. C'est des basiques. J'aime bien. Ça, c'est vraiment le style de mon mec. Enfin, tout ce qu'il met quand il commence à faire frio. Veste. Non mais alors attends, mon kawaii, son kawaii. Resserré en bas, des poches, petit kawaii basique. Tu mets tes clés ici. Ouais, très bien, très bien. Ça, ça va lui plaire. Beaucoup trop banal pour moi. Trop beau. Ça fait serviette un peu. J'aime bien. Il est très beau. En M toujours. Comme ça, il est. Enfin, lui, ça lui va nickel. C'est sa taille. Coton 94,2% polyester. C'est bizarre ces pourcentages. Un sweat en M. Avec un Little Dragons dessus. Ici, un peu plus petit, un peu esprit Kung Fu Panda. Elle est très très belle cette veste, une veste noire, basique. Tu vois le zip, il est un peu... J'aime bien.
Ça va super bien y aller. Ouais, ça c'est carrément son style. Ça, un petit sweat qui dépasse et en avant guingamp. Sélection Shein. Moi personnellement, je suis refaite. Je vais aller installer mes petites boucles d'oreilles. Je suis hyper impatiente et préparer déjà mes affaires pour lundi, pour le travail. Parce que voilà quoi. La base, ce genre d'habit dans une école, non? Je fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.